voici. On va pouvoir continuer après ce changement de tenue. Voilà, moi j'ai juste enlevé la barbe parce que c'est un peu moche pour une fille. Et moi je me suis ravillé en prince. Alors que je suis qu'un humble garde du corps. Hein. Voilà, c'est le prince qui joue les bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'il veut, Sasuke ? Pousse-toi, Gaf, Je crois qu'on se gêne. Ah non, c'est bon. C'est moi qui ouvre. Oh, je peux pas sauter. Ouais, non, il va la tourner, tu te maries. Ouais. Tu veux que des alliances. Pour moi, celui-là. Oui, je savais qu'il y en avait. Améthyste. Je sais même pas ce que j'ai chopé, en fait j'ai accepté. Mais... Je crois que c'était un vêtement, mais j'ai pas trop fait gaffe non plus. Je crois qu'il y a une clé pour lire. Oh, des temps. C'est toujours amusant ce qui est marqué. À défier sa cœur. Et rejoindre ses ancêtres. Tu es pas un des ambitieux. Et mieux là où il est maintenant. Oh non. Mérissant vicieux. Ouais, il y a toujours des trucs assez drôles au niveau des tombes. Ouais. Une fois, je me suis éclaté à toutes les lire. C'était interminable. Ouais, je m'amuse à le faire des fois aussi. C'est toi, Morning Wood. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Arrête de grogner. Merde. Il va y avoir un méchant, pas loin. Ah, c'est qu'il y a un loup dans la cage. Ah ouais. Bon. Il reste dans la cage. Faut pas grand chose pour qu'il croie. Un rein de grenier. Suqué. Putain. Ah, il y a un coffre. Ah ouais. Je l'ai vu avant toi, c'est toi. La pétière. Moi, je m'amuse parfois à essayer de choper le coffre le plus vite possible avant que les chiens réagissent. On dirait, ah, tu sors rien. Ça sert à rien. Mais ouais. Ah bon, il faut pas voir, je veux contribuer. Argent reçu. J'ai reçu plus de fric, quand même. C'est de la fric. Mouché, c'est mouche. Ouais. Je sais pas ce qu'a fait la mouche, hein. Mais... donc là, on doit retourner voir Walter, c'est ça? Ouais, Alliance Paint! Logiquement, on peut retourner facilement en raccourci, mais là, le temps couru, c'est comme ça. La joue à la maison d'appel. On dirait que je te cours après. Au secours! Je suis poursuivi par un prince pervers! C'est le bandit qui a peur, quoi! Un gay, il me prend pour un mec. Ah, il y a des bandits, non? Bandits. Non, parce que parfois quand il y a des blocages comme ça, c'est qu'il y a un bandit. Peut-être qu'il y aura des loups à la limite bientôt. Je pense qu'ils ont pas été repos. Non. Non, tu vois, ils ont pas été repos. Vu que tout des brigands, c'est juste. Dans la carte, en quelque sorte. Donc... J'aime bien quand ça fige. J'ai vu que ton vêtement, en fait, est toujours en mouvement. C'est juste toi qui bouge plus. Ça, il aime bien leur Ribérie. Hein. Moche. C'est joli. Oh, on va faire l'escalade. Une quête. C'est joli quand même. J'aime beaucoup. C'est un peu sombre par contre, hein. C'est pas très beau aujourd'hui. C'est pas grave. En même temps, ambiance british jusqu'au bout, hein. Bah ouais. Tant qu'à faire. Allez, moi je suis. Et quand il pleut, on fait quoi? On va à la taverne. Non. On prend sa douche. Aussi. Tu sens le savon et tu bouges plus.
Ah oui, l'ingrédient spécial de notre train. La voilà. Justement, on parlait de toi. En effet, nous avons levé nos verres à l'exploit que vous avez accompli en débarrassant Miss Pick de sa cœur et de ses hommes. Cela faisait déjà bien longtemps qu'il nous causait des problèmes. C'est Savin surtout qui va être heureux. Ces gitans vont enfin pouvoir avoir la paix. Bien sûr, ils ont enduré des souffrances insupportables. Je parlais à Samuel de la terrible situation dans laquelle il se trouve. Il pense qu'il serait en mesure d'aider. Eh bien, oui, peut-être. Je veux dire, bien sûr, mais comme je l'expliquais il y a un instant à Sir Walter, les ressources dont Bretwall dispose actuellement sont malheureusement limitées, vous savez. Les impôts royaux sont beaucoup trop élevés et les pénuries beaucoup trop fréquentes. Mais si vous veniez à améliorer la situation de Bretwall, ses habitants vous en seraient reconnaissants. Et lorsque les habitants sont reconnaissants, ils deviennent aussi très généreux, vous savez. Je suis sûr qu'ils sauront écouter leur bon cœur et qu'ils aideront ces pauvres gens. Bien dit. À mon avis, il te faut rassembler un maximum de partisans si tu veux mener à bien une révolution. C'est le moment de s'y mettre. Vive à la révolution, Walter. Pardonnez-moi d'avoir écouté. Et il se trouve que j'ai eu vent d'une méthode prometteuse pour rassembler des partisans. Revenez au sanctuaire quand vous le voudrez, et alors je pourrai vous en dire plus. D'accord. C'est toujours immédiatement. Ah, moi j'espère que vous allez vous dire. Que la table d'orientation du sanctuaire possède une autre propriété étonnante. Elle peut vous aider à trouver des gens qui ont besoin d'un héros. Génial, donne-moi le fric. Donc ça c'est pour les quêtes... Donne-moi le fric. Allez, donne-moi le fric. Cupide. Mais je vais changer de tenue. Ah, faut que j'aille aussi. On aura l'occasion de toute façon d'aller acheter. Le mieux consiste à aider les villageois dans le besoin. Regardez attentivement Great Wall et je vous en dirai plus. Maintenant, vous voyez les villageois dans le besoin. Vous voyez combien de partisans vous devez réunir pour impressionner Samuel et la population de Great Wall. Oui, la pièce. Choisissez un villageois à aider. Ce faisant, vous gagnerez le respect et la loyauté d'autres habitants de la région. Oui, donc là, il va falloir qu'on essaie de faire quelques quêtes de manière à se faire une petite réputation. Je vais directement voir le nom. Ah non, mais... Je vais commencer à les entendre, moi. Il fait noir. On s'en fout. Bonjour. Ils sont mignons, pas vrai? Ouais. Je collectionne les nains depuis que je suis tout petit. Ma famille me disait toujours que c'était malsain. Alors j'ai fait le point sur ma vie et je me suis aperçu que je devais changer. Depuis, j'ai coupé les ponts avec ma famille. Maintenant, je suis tranquille avec mes chers petits nains. Ce sont mes meilleurs amis, en particulier Jonathan. C'est comme un frère pour moi. Je pourrais vraiment mourir pour lui s'il le fallait. C'est son anniversaire aujourd'hui, vous savez. Je lui ai commandé un cadeau très spécial, mais il n'est jamais arrivé jusqu'ici, malheureusement. Vous ne pourriez pas découvrir pour moi ce qu'il est devenu? Super, super, génial. Ce paquet, comme je l'ai déjà dit, est vraiment très, très spécial. Je l'ai commandé par catalogue. Ça coûtait très cher, c'est vrai. Mais bon, après tout, c'est de Jonathan qu'il s'agit. Il a droit au meilleur. D'après le catalogue, la diligence de livraison passe par la vallée de Mist Peak. Ils ont peut-être perdu une roue ou un truc du genre. Quoi qu'il en soit, c'est l'endroit idéal où commencer les recherches. D'accord, allez, let's go. Allons-y. On retourne dans la vallée de Mist Peak. On devrait le faire en voyage rapide, non? C'est une bonne idée. Je suis certain que les habitants de Great Wall finiront par... Et toi? L'habitant de Brightwall. Ralliez-en à votre... Tais-toi. T'es mignon, je t'aime beaucoup, même si tu me trompes. Mais tais-toi. Tu parles un peu trop. Non, la porte. Oh, sexy. Ouais, je parle de celui avec les trucs dans le nez, évidemment. Ouais, c'est énorme, cette image. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Allez, on est de retour dans le froid. Vive la vie. Ah. Une porte de culisse. Oh, une héroïne. J'écris un livre sur un héros.
Ah oui, il faut être à deux. Qui vive une grande aventure et sauve le monde et découvre en chemin quelque chose sur la vie et l'amour. Et voilà le point délicat. L'action est palpitante, les dialogues percutants, mais toute scène où ils expriment leurs sentiments l'un pour l'autre tombe à plat. Je n'ai aucune source d'inspiration. Quand je demande à des villageois qui passent par là d'exprimer leurs sentiments l'un pour l'autre, la plupart me regardent bizarrement et s'enfuient en courant. Et le peu qui se prête au jeu va plus loin que je ne le voudrais. Il va falloir qu'on fasse quoi, en fait ? Ça ne m'aide pas. Je ne veux pas voir les maladresses grossières de monsieur et madame tout le monde. Je veux voir l'intensité fulgurante et la passion grandiose que seuls les héros peuvent incarner. Vous connaissez un autre héros que vous pourriez amener ici ? Non. En chair et en os ? Avec qui vous coopérez ? Comme dit ça, Stalker. Bon, bah, je te laisse faire. Mais je vois pas... Enfin, je sais pas trop ce qu'il faut que tu fasses, en fait. Je sais pas. Je pose ça par là. Câlin ! C'est débile. Un petit peu. C'est pas mal. Je vais utiliser ça quand on se casse dans le foin et je risque un moment de grande tendresse. Encore ? Ça n'a pas l'air suffisant, ouais. Il nous emmerde. L'embrasser mon chien, ça suffit pas ? Il y a quoi d'autre après ? Je vais trotter la gueule. Je sais pas si ça va marcher. J'ai une étreinte, des guillis, et tout cela est parfait. Ça aurait pu être mieux. Vous n'auriez vraiment pas pu faire pire. Je sais, je sais. Je suis tellement douée. Je sais pas, je sais tout, hein. Je sais jamais. Oh, charmant! Pile ce qu'il leur faudra pour leur retrouvaille sur la plage après être tombé de la chute d'eau. Certes. Retrouvaille, on va siffler. Ah, oh, mais j'en ai marre, ça va. Ouais, c'est un petit peu de mal les interactions dans ce fable. Ouais. Dans son. Mais t'es trop petit. Exprimez-vous quand vous serez. Normal. En fait, je pense qu'il faut qu'on fasse toutes les interactions d'amour, en fait, plus ou moins. Pourquoi ? Vas-y, essaye toi, voir si ça marche. Attends. Ça devient trop stupide. Ah, ça bug. Le coup de la dent. Allez, montrez-moi. J'ai un délai à respecter, vous savez. Oui, oui, t'as un délai à respecter. Danser. Moi, je vais le faire, j'ai essayé, mais... Ah, là, t'as la bonne taille. Ouais, c'est moi qui ai le plus grand. C'est déjà mieux, là. C'est plus logique. Oh, non. Ce qu'il me faut, c'est le héros. Les personnes ordinaires ne font pas la faire. Je sers à rien, en fait. Bon, bah... Ou alors c'est la demande en mariage, mais... Oh, c'est débile, c'est... De toute façon, c'est pas moi qui ai d'alors, c'est tout. Allez, montrez-moi. C'est embarrassant. D'accord. Toi-même. Alors, attends. Non, mais y'a rien qui change. Alors, attends, je vais essayer un truc. Tu veux faire quoi ? Un truc débile, mais ça marche pas. Allez, montrez-moi ! J'ai un délai à respecter, vous savez. Tais-toi. Ouais, ça marche. Oula. C'est là que vous pouvez offrir des cadeaux à vos amis héros. Ah oui, d'accord. Ouais, non, moi ça va pas le faire. Bon, et puis crotte, il m'énerve, et moi je le bats.